À chaque fois que je regarde un marathon à la télé, j'ai des étoiles dans les yeux et je me dis j'ai envie de courir avec eux. Pas de pépin physique, ce qui ne m'était pas arrivé depuis longtemps. J'ai vraiment aimé cette préparation de marathon, un peu nouvelle, mais j'ai vraiment eu du plaisir et je pense que c'est ça qui m'amène aujourd'hui avec un bon état d'esprit aussi à l'entame de la course. Pas très bien, mais j'ai quand même dormi. J'ai essayé de me coucher vers 8h30. J'ai pas dormi avant 22h, donc normal. Je vais aller prendre un déjeuner. Et ensuite, je vais rester dans le lit un moment. Puis on doit partir assez tôt, dans 1h30, à 6h, on prend le bus. Donc voilà, pas beaucoup de temps non plus. Magique. Ça, c'est notre patron. Est pur, j'avoue ça m'écœure, le contrôle est sûr, le pilote est beurre, on saute dans les burnes, du coup ça déborde, ça rentre des thunes sans plus faire d'efforts. J'ai craché ma haine entre deux buzz, hein. Je vois que ton hippie que t'as vu le buzz, hein. Niquer des mères, j'en avais besoin, juste pour un pire, on a mis deux joints. He likes to be in front of the group, he likes to run fast every time. Instead for a marathon, you need to learn the patience, no? And you need to learn the relaxation. And under this point of view, he was able to improve very much at the end. Allez, allez! Personally, if in the first marathon he can finish around 2:08, I am already happy. Because I know that if this happens, at the end of the season he can run 2 minutes faster. I think that in his mind, his expectation is a little bit higher. Ouais, bon, je pense que c'est aussi son rôle d'être prudent, il connaît aussi. Moi, je suis un peu plus ambitieux peut-être, mais je ne me donne pas de temps fixe, on va dire. Ce ne serait pas 2-6 à tout prix. Si c'est 2-8 et que c'est des bonnes sensations, c'est OK pour le premier, mais c'est vrai que j'espère quand même au fond de moi un peu mieux que ça. Je suis venu avec mon groupe, donc on est 5 en tout. Mathieu Kibarius, Mathieu Sang, Boniface Kibiwat et Denis Tchirtchir. Donc on va essayer de courir ensemble puisqu'on s'est entraîné toute la préparation ensemble. I don't want something too fast from the beginning. Les bases de 2-7 et puis on verra à la mi-course comment ça se passe. Jusqu'au 10 kills, ça s'est passé comme prévu, mais j'avais déjà l'estomac qui gargouillait, donc ça voulait sortir. Et ça, tenir 42 km avec des problèmes d'estomac, c'est compliqué. Donc peu après 10 kills, je me suis arrêté une première fois. Je suis revenu sur le groupe, je me suis arrêté une deuxième fois. Je suis revenu, ensuite j'ai essayé de reprendre quand même un ravitaillement, ça m'a relancé et je me suis arrêté une troisième fois, toujours revenu sur le groupe. Là j'ai décidé de plus prendre de ravitaillement et jusqu'au 35e. Donc après au 35, je me suis dit je commençais à être pas tout à fait net. Plus voir très clair, donc je me suis dit il faut quand même que je prenne quelque chose, sinon je vais pas finir la course. Donc j'ai pris quand même au 35 et au 40e, mais après dernier kilomètre j'ai quand même une défaillance. C'est vrai qu'en s'arrêtant trois fois,
Je perds non seulement du temps, mais surtout de l'énergie. C'est dommage parce que bah, enfin, le rythme, ça a l'air d'aller à peu près 3 kills. C'était pas difficile. Malheureusement, ouais, j'ai eu d'autres problèmes que j'avais peut-être sous-estimés sur des distances aussi longues. Et voilà, j'ai fait comme j'ai pu, j'ai rallié l'arrivée. C'est, on va dire, le plus important pour un premier marathon, mais c'était difficile. Il n'y a plus rien, quoi. On n'avance plus. Malgré tout ce qu'on veut essayer, j'avais déjà eu au semi des moments difficiles, mais on peut toujours relancer. Là, on n'arrive pas. Parce que juste que voilà, on n'a plus d'énergie. Et c'est assez spécial. Et c'est vrai qu'après, en passant la ligne, j'étais, ouais, je pense, pas très loin de m'évanouir quand même, parce que ouais, c'est un effort, et comme je l'ai dit, en hypoglycémie, on peut plus faire grand-chose, et c'est assez, ouais, on est dans un autre monde. Les deux lièvres, Mathieu et Boniface, c'était extraordinaire, ils ont tenu 30 et 35 kills. Et après mes deux teammates, Denis et Mathieu, un autre Mathieu, qui ont couru 2-10. Donc c'était vraiment top, on était comme à l'entraînement. On va dire pour une première expérience, c'était assez brutal. Et j'ai eu des petits moments, en tout cas une bonne trentaine de minutes après la course, qui ont été un peu compliqués, hypoglycémie, plus hypothermie, je pense. Donc j'étais un peu dans le dur. He can become a good marathon runner, sure. Like for all the athletes that I had in my life, Kenyan or no Kenyans, you started to know marathon after 4 or 5 marathons.